des années d'études. Ok. Est-ce que ça va? Devant cette réponse unanime, je suis très heureux. Apparemment, sans le vouloir, j'ai fait un changement dans cette liste. Mais vous ne vous étiez rendu compte de rien. Si? Ah ouais. D'ailleurs, j'ai une question. Alors, attends. Comment on va faire ça? Parce que là, j'ai mis... on était là cet après-midi et je me disais... Qu'est-ce qui pourrait rendre cette scène un peu... intimiste? Alors déjà, on a mis... Une lampe? Hein? Style, hein? Ouais. Voilà. C'est marrant, il y a des gens qui associent des termes à d'autres. Non, poil à poil! Ouais. Là, il y a un autre, alors là, qui est déjà un peu plus éloquent. Pour l'évocateur. Canapé. Ah oui, exactement. Le terme m'échappait. Hein? Canapé. Sur lequel j'ai pour l'instant. Ma guitare. Il y a moi qui t'entends. Ça, c'est une guitare. Ça, c'est un canapé. Méridienne, on dit. Ouais, mais... Je peux pas avoir étudié et boire de l'eau et un vocabulaire parfait. Est-ce que... on va faire un truc. On va faire un petit jeu. Je suis content, j'ai capté tout le monde. Il y a du suspense. Mes mots barres, ils sont à canapé. Présente, papa, tout va bien. On reste comme ça. On va... Est-ce que quelqu'un arrive à deviner quelle est la prochaine chanson qu'on va jouer? Alors, pas dans un vacarme général, give mais... Give me your heart. Prime. Bien joué. Oh. Bien joué. Bravo. Alors ça, j'appelle ça du professionnalisme. Donc, combien de voix avoir trouvé la bonne réponse? Tous. Deux. Ouais, tous du calme. Déjà, j'ai mis personne qui s'appelle tous sur la guest list. Non, c'est pas une connerie, je te propose simplement de venir regarder un bout du concert depuis le canapé. Samantha, est-ce que tu aimes les Romains? Oui. Jules César, tout ça. Ah, tu as compris. Voilà, donc tu peux te mettre à ton aise. Ne t'inquiète pas, personne va te regarder. Non, mais non. Ça ne fait aucun doute. Bon. Il y a aussi une raison... à ta venue sur scène. Non, ce n'est pas Ivy, ce n'est pas ma copine. La prochaine chanson s'appelle Prime, effectivement. C'est une chanson que j'ai écrite avec un stylo. Et... Merci. Non, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'étais... J'ai fait une émission, je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Danse avec... Le star ou le star, je sais pas. Ah, peut-être que si tu as un téléphone, tu peux éventuellement le couper. Tu n'en as pas, c'est merveilleux. Donc voilà, j'ai fait cette émission et là, depuis un petit moment, il y a un truc qui me perturbe sur scène, on a un bzzz. Alors je sais qu'il n'y a pas de ruche pas loin. Quelqu'un peut s'occuper du problème tant qu'il est encore temps. Merveilleux. Et donc j'étais tout seul dans ma loge. Donc, ça me fait marrer, quoi. Et comment ça, t'avais pas 15 personnes? Non, j'étais tout seul dans ma loge, effectivement. Et voilà, donc là, je vois que vous prenez conscience de la gravité de la chose. Et alors, j'avais dans ma loge une affiche. J'avais une affiche du lac Léman, avec dessus une galère. J'aime bien les symboles. Et
J'allais dire autre chose, mais j'ai bien fait de pas le dire. Et voilà, c'est une chanson qui est faite pour être chantée à plusieurs. C'est une chanson qui doit créer des liens, qui doit nous faire partager, qui doit être comme la musique, nous rassembler tous ensemble. Et si je l'ai inventée, c'est aussi pour retrouver ces moments sur scène où on partage ensemble, vous, nous, tous. Et tous, hein, le même que avant. Et donc voilà, ça s'appelle Prime. Et je vous incite vivement à chanter avec nous dès que vous aurez compris le refrain qui, vous le verrez, est très compliqué. Les consignes sont ok ? Ouais. Sinon je peux recommencer un plus fort si vous voulez pas. Ok. To pay the price, I wanted music, they gave me fame. I shook my ass 6 Saturdays, they gave me one more reason to be on stage. Don't be sad, it could be good, it could be bad. No matter how, don't be sad.